Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France du côté de Saint-Émilion. Ah, il est 17h. Hop là, ouais, j'ai réussi à entendre là au-dessus du QRM. Les 73-51, la station de Dundee 33. Wow, il y a de la cacophonie là au milieu du QRM. J'ai un bon QRM de mon côté, donc c'est un petit peu compliqué là. Les 73-51, les stations de Dundee 33 au QRA. Oui, Bruno, les 73-51, Bruno. Oh, c'est un petit peu compliqué, là, c'est le 19, on dirait. On voit que la propague sur le département français, là, ça fait pas longtemps qu'elle est arrivée. Oui, bonjour. Alors, si j'ai bien compris, Michel, c'est si j'ai bien compris, c'est tout ce que j'ai entendu. Alors, en même temps, je suis en train de tester ma nouvelle caméra, du coup. C'est une Sony, je sais plus quoi, blablabla. Alors, on verra bien ce que ça donne à la sortie. Attention, Nounours ou Drakkar pour Dundee 33 qui vous appelle. Oui, Daniel, Nord-Est France, 73-51 de Dundee 33 sur le Sud-Ouest France, pas loin de Saint-Émilion. Et la station qui a répondu, j'ai un bois de avec un Santiago 7 là de mon côté, c'est pas évident là. c'est pas évident pour décortiquer quelque chose. Ah là c'est passé par contre, oui affirmatif, hein. Ça arrive de tous les côtés, ça arrive d'un bloc, on voit qu'il y a de plus en plus de monde sur le 19, hein, parce que c'est vrai que là c'est un petit peu compliqué quand la propague est là. Allez bon, je vais aller me promener un peu plus loin, je vais aller voir sur la fréquence des kilomics, je vais aller voir en sup, je vais voir un petit peu ce qu'il y a. Et oui, il y a du monde. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion. N'importe quoi. Bon, comme dirait l'autre, on la refait. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde, du côté pas loin de Saint-Émilion. De près comme ça,
Ça a du mal à faire la mise au point. Curieux quand même. Si j'enlève ça, le problème est le même. CQ DX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. CQDX, appel de 14 km 3301 qui propose un QSY sur le 27 605 27 605. C'est parti pour moi. CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Les 73-51, les stations de la part de 14 km 3301, Rémi, Dandy 33 sur le sud-ouest de France, actuellement au QRA à côté de Saint-Émilion, c'est-à-dire sur Sainte-Colombe. Oui, 14 Golf Lima 51, les 73 à vous de 14 km 3301, Rémi. Beaucoup de surmodulation. De la ville de Montrouge.
Ouais, affirmatif, il y a de la cacophonie. Alors le plus drôle, c'est que juste avant de lancer un appel pour faire QSY, la 555, je suis venu là voir, la fréquence était toute propre. L'aspirateur était passé, c'était nickel, c'était tout propre. Je vais sous le 555, je reviens là, waïaïaïa, de cacophonie. Les 73 à vous, en espérant que vous n'ayez pas trop chaud. Alors de notre côté, c'est du 43 degrés. Hein. 43 degrés à l'ombre, bien entendu. Et c'est du feu là qui est dehors. Hein. C'est vraiment du feu. On est d'ailleurs là pour notre part, on a les volets fermés, tout ça, parce que là non, c'est trop cuisant. Hein. Ok, d'accord, ça marche, les vents sont très à vous, profitez bien de, à toi, profite bien de la propa qu'il y a là, qui est arrivée il n'y a pas longtemps en plus, là, sur les départements français, les 73, bon DX. Alors pour moi, je suis sur le département 33, et je suis à côté de Saint-Émilion. Voilà, je suis à 10 km de Saint-Émilion, 10 km à l'est de Saint-Émilion. Merci, bonne 73 à vous. Alors le département 80 ou 81, j'ai pas bien compris, ça passe très QRP de mon côté, mais c'est normal. Ça c'est dû à ma condition géographique qui justement n'est pas du tout bonne de ce côté-là, à cause d'une colline là, qui me fait écran. Les 73 à vous, le département 80 ou 81, de la part de 14 Kilomike 3301 Rémi, sur le département 33, à côté de Saint-Émilion. Ouais, attention Rémi, est-ce que tu copies le département 51, la Champagne, qui te fait pour toi, Rémi, Saint-Émilion, pour la Champagne? C'est du 9 plus 10 de mon côté, la Champagne. Là, il bah, faut arrêter les bulles, hein, parce que tout à l'heure, j'ai le vu-mètre qui va me faire deux tours dans le cadran. Les 73, la Champagne, de 14 km, 3301, Rémi, d'Andy 33 sur la Gironde. Voilà, avec un bon report là, de mon côté, comme je dis à l'instant, là, c'est du 59. Hein. Et je bafouille. Non, c'est pas ça, hachis trois coups. Alors c'est 14 km 3301. Voilà, 3 de troisième, 3 de troisième, 0 de négatif, 1 de unité. Ok, pas de problème, 100%. Je m'en doutais, mais voilà, je sais plus, j'ai perdu la mémoire. Voilà, Rémi, pas de problème, si comme ça passe bien, un jour de 5, 100 secondes, hein, et que l'heure finit pas si tu faisais des pointes, hein, je dis, ça marche bien, alors voilà. Il y a plus de 5 minutes que j'ai allumé mon TX, et puis apparemment, j'ai dit, tiens, il y a un peu de propagation là, sur le sud de France de mon côté. Voilà, Rémi, bah, ici, température très chaude aussi, hein, je pense que c'est partout pareil, toute la France, là, il y a des belles trucs qui commencent à réclamer. Alors elle, de toute façon, c'est qu'à 15 ans, mais elle se fait comprendre quand c'est l'heure de lui donner à manger. Alors on va un petit peu Rémi. Voilà Rémi, je suis en bas du micro. Hachis trois coups. Alors de mon côté, côté température, ouais, bah, c'est du 43 degrés. Hein.
C'est complètement différent de ce qu'ils annoncent à la télé. En général, la météo à la télé est minimise, mais c'est bien à 43 degrés à l'ombre là que j'ai là ici là sur le QTH. Ouais, j'ai la station météo qui est face à moi là. Ouais, c'est bien ça. Oui. Donc c'est du feu, c'est du feu, c'est du feu. Alors de mon côté, les conditions de trafic, eh bien là, je suis sur le Yazoo FT450 AT. Et au niveau antenne, c'est une Sigma Mantova 8 qui n'est pas très haute, à 9 mètres de haut. Ouais, ok, c'est pas la peine de la mettre plus haute, hein. ça marche bien, non? Ça marche bien, en vertical apparemment. Ok, pour ces conditions de trafic, Rémi est ici, les conditions de trafic, l'antenne, c'est une HB9 CV, deux éléments, propagation OM, qui se trouve à 7 mètres du sol, ouais, 7 mètres à peu près. C'est un ICOM 7300 avec son micro ICOM SM30 et puis puissance. Là j'ai mis les 100 watts. Mais quand je t'ai appelé, je crois que j'avais mis que simplement les 80 watts quand je t'ai appelé. Et puis là j'ai dû pousser à 100 watts, c'est 80 à 100 watts, il n'y a pas de différence. Mais là, Rémi, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Rémi, ouais, température, je ne sais pas combien. Ce matin, à midi, on avait 33 degrés, je crois 31 degrés. Quand j'étais en voiture, là, mais je pense que les annonces vont être 32 degrés sous abri, bien sûr, hein, parce qu'après, moi, ça, c'est vrai, c'est signe, quand tu sors de la maison, d'abord, quand tu sors de voir, ça te fait une chaleur, une bouffée de chaleur, c'est vrai que c'est désagréable, hein. Et c'est vrai qu'il manque maintenant de l'eau, parce que c'est vrai que tout ça, ça souffle, la pelouse, elle est complètement grillée, voilà. Et puis ça fait X temps qu'on n'a pas d'eau aussi sur le secteur. Hein. C'est vrai que c'est méchant quand même. Puis là, je pense qu'ils annoncent du beau temps jusque vers le 15 août, un truc comme ça, toujours 21h. Et puis voilà. Peut-être de l'orage en fin de semaine, mais bon, là, c'est moins sûr. Voilà, Rémi. Ok, merci pour le retour. Ouais, non, mais c'est vrai que là, c'est vraiment du feu, là, dehors. C'est, ben, comme ils ont dit, de toute façon, on est reparti pour une nouvelle vague de canicule. Hein. Et je crois qu'au fur et à mesure des années, il va falloir s'y habituer. Hein. Autrefois, au moment des vacances, tout le monde rêvait d'être sous les tropiques. Et bien, pour le coup, c'est les tropiques qui sont arrivés à nous. Hachi 3 coups, retour. Attention, hein, nous on va voir dans le nord-est, on va voir le temps de chez vous, hein, il y a quelques années. Hein, je crois que puis vous allez griller, hein, chien. Vous allez chauffer, hein. Mais c'est un peu ça, hein, tout le monde fait, hein. C'est vrai qu'on l'a maintenant dans le nord-est, tout ça, c'est vrai qu'on a des chaleurs, c'est terrible, mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Mais je pense qu'on parle de pollution, on parle de tout ça, mais je pense que c'est l'évolution de tout. Hein. Voilà, hein, c'est un changement de climat, et puis voilà, des fois, il faut peut-être arrêter de dire que c'est de la pollution, cause de la pollution, cause de ceci, le réchauffement de la terre, mais c'est un forme, hein. Dans le passé, c'était tout le contraire, hein. D'abord, il y avait des baisses qui y avait tout maintenant, alors c'est pour ça, moi, je dis que c'est un changement de climat, hein. et puis voilà, et puis il va falloir s'adapter, c'est vrai qu'on va peut-être s'ouvrir, mais bon, voilà. Voilà, mais tout ça, on verra ça plus tard, on ne le regrette même pas, et si, ce sera pour les enfants, surtout. Voilà, Rémi. Ouais, et puis bon, c'est sûr qu'il y a, on peut tout dire à ce niveau-là. Hein. Bon, ouais, ok, c'est vrai qu'on pollue. On est des crados, on pollue, c'est vrai. Mais bon, on est aussi pas mal nombreux sur la planète. peut-être un peu trop nombreux aujourd'hui. Et puis il y a aussi, si on regarde bien au niveau de la planète elle-même, il y a des trucs quand même cycliques. Il y a eu des périodes glaciaires, il y a eu des périodes trop chaudes aussi. Qui nous dit qu'on n'est pas aussi en même temps sur un genre de cycle comme ça, quoi. Qui serait pas impossible. Hein. Hop. Ah oui, voilà, c'est bien qu'on dit, on est beaucoup. Ça remonte. Bon, voilà, et puis on croit que, mais apparemment, il y a pas mal d'autres qu'on n'arrive pas à éliminer. Mais bon, voilà, il faudrait que tout le monde se rassemble et puis qu'on fasse tout correctement. Mais bon, je pense que c'est pratiquement impossible, hein, voilà. Ok, bon, voilà, on va pas en parler de tout ça, mais c'est vrai que, voilà, pour moi, c'est ça, c'est un fait, comme tu dis, c'est comme les mots, ça. C'est un peu
comme les modes, voilà, nana, après on est sur les immeubles, on est sur les immeubles modernes, on est sur des trucs comme ça, mais je pense que c'est un peu difficile, voilà. Changement. Ok, voilà Rémi, pas de problème, ça marche bien. Et d'autres, pas grand chose, je ne sais pas en puissance combien que t'as, Rémi. Oh ben là je suis avec la puissance du Yazoo, hein. Bon c'est vrai que là au niveau de mon affichage je préfère rester comme ça en position Tosmet, hein. Mais autrement je suis avec la puissance du Yazoo, là c'est le FT 450 AT, voilà, donc là je suis qu'avec ça, hein. Affirmatif, c'est certain, oui. Et c'est vrai que, bon, pour ma part, ça fait pas très longtemps que je suis en fréquence. Juste depuis 1982, pas plus. Et avant la CB, bon, j'étais sur des Takiwalki 27 mégas, un ou deux canaux, là, dans les années 70. Donc, tu vois, je suis tout nouveau, tout neuf, moi, là-dessus. Et ouais, non, mais j'ai déjà vu des OM faire du DX avec, oui, effectivement, 500 milliwatts. Hein. De toute façon, c'est la propa qui décide. Hein. Comme par exemple, à l'inverse, tu peux balancer un kilowatt, je dis un chiffre au hasard, il n'y a pas de propag, et ben s'il ira pas loin pour autant. Hein. Parce que bon, ben voilà, la bande de fréquence fait que ben, sans puissance, sans propag, je vais dire. Tu peux mettre de la puissance, et pour vraiment porter plus loin, il faut envoyer costaud. Hein. Donc autant compter sur la propag. Ah, bah bien sûr, c'est bon, on a vu quand elle est couvert, et oui, c'est ça. Oui, c'est ça, moi j'ai commencé, j'ai... Hop là, on dirait que je suis en train de te perdre. Ah, dommage, pourtant le QSO était pas mal intéressant. Ouais, là, t'es limite dans mon... J'ai un QRM25 de mon côté, là, ça a chuté, c'est limite dedans. Alors, je sais pas, au cas où je te perdrais, les bonnes 73 à toi, bon DX. Voilà, comme ça c'est fait. Au cas où on n'arrivait plus à s'entendre, et on va continuer le QSO pour voir ce que ça donne. Hachi. Donc oui, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, j'ai commencé sur les Takiwalki, un ou deux canaux là dans les années 70. Là, déjà, j'avais déjà pris la piqûre de la radio à ce moment-là, quoi. Ça me plaisait bien. Jusqu'au jour où je me souviens, étant tout QRPP, j'avais entendu quelqu'un, une YL justement. Et j'avais été un petit peu surpris, une voix qui arrive de nulle part, et alors là de suite ça pique au vif, ça pique dans le vif, je veux dire, et on a envie d'en savoir plus, quoi. Et puis en 82, tac, là, découverte de la CB avec tous ces canaux qu'il y avait de partout, autrement dit pour l'époque, ben 22 canaux FM. Mais bon, moi qui sortais des Takiwalki, un ou deux canaux, 22 canaux d'un coup, c'est sûr que là, ça devenait magique d'un seul coup. Hein.
Puis après, bon, ça fait son petit bonhomme de chemin, 83, les 40 canaux et tout, ceci, cela. Alors, si je fais une pause, ça a dû être de 6 mois, pas plus. C'est, ouais, pas plus. C'est, autrement, je suis toujours resté là-dessus, ouais. Alors là, je sais même plus qui parle. Ah, si. Enregistrez le break. Ah là là, il y en a qui sont venus camper là sur la fréquence et ils n'ont pas écouté s'il y avait déjà un QSO. oui, c'est vrai que en 83, quand on est passé aux 40 canaux multimode, c'est vrai que revenir à la FM, revenir aux 22 canaux, c'était plus question. Là, dans la déconnette, je veux dire, on avait monté en grade, là, pour le coup. Hein. Et là, mais c'est vrai que c'était quand même pas mal sympa. Parce qu'il y avait le côté aventurier, le côté franche rigolade, parce qu'on se prenait pas la tête hein, à ce moment-là. C'est bien au contraire. Hein. On se prenait pas la tête, on se prenait pas au sérieux non plus. Hein. C'était c'était la cibie au sens large du terme. Hein. C'est voilà, hein, c'est c'était pas mal bien et ouais. du coup je cherche mes mots tellement qu'il y en a à dire. Ah bah oui, c'est remonté. Oui, c'est remonté. Au fait, si ça ne te dérange pas, là, je suis en train de faire là, une vidéo. Et en plus, je suis en train de tester ma nouvelle caméra. Vu que... Alors, attends, 2 secondes. Je vois que c'est à 28 minutes 29, 30. Je lui fais une petite pause. Voilà, que je redémarre. Voilà, ok. Ouais. Je sais pas si t'as suivi un petit peu ce week-end là au niveau du salon de qu'il y a eu le salon de Marennes et tout ceci cela ainsi de suite. Ma précédente caméra a goûté les joies de la pesanteur. Résultat HS, mais complètement HS. Elle est tombée sur l'objectif, toutes les petites pièces qui y a à l'intérieur et tout, bon bah tout s'est chibré, forcément. Et là, je suis en train d'apprivoiser la nouvelle caméra. C'est un ordinateur le truc.
C'est doublé de... Oh putain, ça me ressemble pas. D'intelligence artificielle. Chez trois coups. Il y a des fonctions qui sont enclenchées et tout. Je sais même pas comment, comment gérer ça. C'est au secours. Ouais, ça a l'air de bien se passer. Ah oui, et puis en plus de ça, j'ai la fenêtre qui est inclinable. Du coup, je l'ai pas inclinée. Dommage, c'est pas grave, ce sera pour le prochain coup, pour mieux y voir sur la fenêtre. Bon, si ça te dérange, c'est pas grave, hein. Je supprime, hein. Vas-y, dis-moi ça. Zet, la propague a tourné, je sais pas si c'est l'Italie ou l'Espagne. Bon d'accord, je sais pas si tu m'entends toujours de ton côté, ça m'étonnerait, la propague a tourné pour ma part, c'est en plein sur l'Espagne. Bon, pas grave. Ça arrive. Faut faire avec, je veux dire. Bon, est-ce que tu es toujours derrière la station? Oh, il m'a semblé entendre quelque chose de très 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 QRP là derrière. Je sais pas si c'est toi. La propague a tourné, effectivement. Je sais pas, j'ai pas du tout eu Roger de ce que tu as dit. J'ai pas du tout eu QSL. Bon, la propague a tourné sur l'Espagne de mon côté. Alors si toi tu m'entends toujours, les bandes 73 à toi, bon DX, et on prendra ce QSO une autre fois. Hachi. Oui, Christian, sud de Belgique, les 73 à vous, de la part de Rémi, 14 km 3301, sur le sud-ouest de France, à côté de Saint-Émilion. Heureusement qu'il y a le Roger Bip qui est là. C'est très très compliqué là, effectivement. La propague a décidé d'aller jouer plus loin, d'aller jouer dans une autre direction. Les 73 à vous de 14 km 3301, opérateur Rémi, sur le sud-ouest France, le département de la Gironde, à côté de la ville de Saint-Émilion. Ok, malgré la chute de propague entre nous, puisqu'elle a décidé d'aller jouer ailleurs, là c'est un Santiago de entre de 4 et 5 là de mon côté là pour laisser d'antenne. Bon, ça fonctionne. Dommage que c'était pas on va dire un quart d'heure plus tôt, puisque là pour le coup j'aurais pu vous donner un signal de 9. Oh oui, facile. Ok, merci pour le retour. Alors là, j'ai eu des pointes à Santiago 5, Santiago 7, pour redescendre à nouveau. La propague fait un peu le yo-yo. Mais elle fonctionne bien, cette antenne. Elle fonctionne très bien, cette antenne. Ok, pas de problème, au plaisir pour d'autres essais. Ça sera avec grand plaisir. Les 73 à vous, bon DX. À la prochaine. Ok, c'est QTH Alpha Yankee Echo.
Merci à vous, bye bye. Et je suis juste à côté, voilà, de je suis d'un petit village à côté de Saint-Émilion. Voilà, pour être, voilà, je suis à 10 km de Saint-Émilion. Merci à vous, bye bye, bon QSO. Sur la caméra, j'ai les petits carrés, des petits carrés, des rectangles, qui n'arrêtent pas de jouer là. Bon, c'est la mise au point qui suit automatiquement. Hein. Mais pour que ça joue comme ça sans arrêt, c'est que ça doit avoir du mal. Zut, dommage que j'ai pas incliné la fenêtre. J'ai pas l'habitude encore de ça. Pour l'avoir bien en face de moi et bien voir ce qui se passe. Ah ah ah. Attention, nounours, nounours ou drakkar pour Dindy 33 qui vous appelle. Oui, j'ai entendu 73 et puis après plus rien. Les 73 de Dindy 33 sur la Gironde, à côté au QRA, à côté de Saint-Émilion. La Belgique, ouh, ce serait pas mon ami Cédric, des fois sur la Belgique. Ah, c'est très très compliqué là de mon côté. Hein. Là, j'étais complètement perdu. Là, c'est vraiment très compliqué. Là, là aujourd'hui, là, on aime. C'est soit il y a du bois, soit la propague joue au yo-yo. Juste avant ça, j'étais en BLU. Pour le coup, la propague a tourné carrément sur l'Espagne. Ça fait un petit peu la girouette et le yo-yo en même temps. Quoi. De voir si de ce côté là on sait jamais qu'il y aurait l'Angleterre qui passerait, même si je sais que la propague a tourné sur l'Espagne, mais bon, des fois sur un malentendu. Si on aime. Ah, le 27-025. Bon, ben en principe, là, quand les Américains passent là, on peut se dire que le Canada, il n'est pas loin. Qu'est-ce que je fais, moi?
Non. Whoop. Alors, certains n'aiment pas trop qu'on la propague comme ça. Pourtant, c'est là où il est intéressant de se lancer des petits défis, vu que c'est plus compliqué à attraper les stations. Ah ouais, il y en a qui aiment bien se mettre en terminaison 7. Pour qui, pourquoi, il doit y avoir une explication derrière. Si je comprends bien, 19, c'est la Hollande. Si c'est bien ça, c'est la Hollande. CQ DX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France. CQ DX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Thank you.
Royaï. Ok, compris, parle pas français. Pour le temps de réaction. À ce coup-ci, j'ai relevé la... l'écran arrière peut se s'orienter. Je l'ai relevé un peu. Et là, du coup, là, je vois tout ce qui se passe. Tout ce... le petit manège là, qui, que la caméra fait. Là. Vous voyez, voilà, là c'est 5 QRM illuminateurs, là c'est avec. Alors j'ai pas encore trouvé ou compris plutôt, on va dire ça comme ça, comment le brancher sur le DK. Sur le 7009 qui est juste au-dessus, qu'on voit là, j'ai fait un branchement vite fait sur le PTT. Mais bon, je sais qu'en branchant comme ça, il ne faut surtout pas utiliser Roger Beep. Sur le Yazu, j'ai fait, comme on voit là, à l'écran, un branchement pareil, PTT, là, qui vient du coup là dans mon adaptateur RJ45 et de l'autre côté 4 broches. Mais il y a quelque chose qui passe pas. Ça me fait des trucs bizarres quand je passe en émission. Comme qui dirait, les stations locales me sont vite tombées dessus pour me dire que c'était dégueulasse. Oh. Canal 2.
Si tout à l'heure j'ai reconnu l'Allemagne, là par contre c'est plus compliqué. Ça marche. Tout à l'heure, on n'avait pas trop de stations FM. Là, ça y va. Ça augmente. Bon, du côté. Sky, so someone must have three a leg.
Son las únicas, no me las tengo a ver, no me las. No, yo tengo, ¿eh?